una chiro passilogi in tavagna ci porta oggi in taliu isulaccia e ma parla di vondario a comune ha fatto po tempo va uso pelu uso piano lugali d'urbanismo allora ma cerca di sapere come va ci a meria comune di tali isulaccia a ammaestra uso territorio a sviluppa sa comune tra piadia e montagna. E prima bistighemi dunque a Biadia d'Italia. Affiancato squadra municipali, Maria Teresa Mariotti ci presenta su documento così difficile da va. O piano locale d'urbanismo e a trauzioni di avvisioni o sviluppo bulsuta pa comuna longanda. Talui Zulaccia ha avuto tutto il poco tempo va. Nous l'avons arrêté en conseil municipal le 27 janvier et là maintenant nous allons rentrer dans la phase de consultation de ce qu'on appelle les personnes publiques associées, c'est-à-dire l'État, la collectivité de Corse, les chambres de commerce, d'agriculture, etc. La CTPNAF, la commission de préservation des espaces agricoles et naturels, et si tout va bien, le PLU sera mis en quête publique, on va dire a priori courant d'été. C'est essentiel pour une commune d'avoir ce fameux plan local d'urbanisme pour le développement de la commune. On sait qu'il y a des particularités à ces communes de Tavagne, notamment la vôtre. Il y a à la fois les villages qu'il faut préserver, développer, une plaine à la fois agricole et quelque peu urbanisée. C'est vraiment essentiel d'avoir ce PLU. Mais l'intérêt d'avoir un PLU, c'est surtout au-delà de la zone constructible, parce que tout le monde focalise sur ce qui est constructible ou pas. C'est surtout de retracer via un document d'urbanisme ce que nous souhaitons en matière d'aménagement et de développement de notre commune. Donc sans PLU, vous n'avez pas de certitude. Quelqu'un qui veut éventuellement développer un projet agricole ou autre peut toujours être dans l'incertitude. Et de même, quelqu'un qui a un besoin de construire, vous êtes soumis, je dirais, aux règles du règlement national d'urbanisme. Oui, c'est important, d'autant plus qu'on est quand même une commune littorale avec des règles quand même extrêmement complexes. Pa Piadia, lo scopo del documento è di favorizzare lo sviluppo e l'agricoltura. 18 esplotazioni sono in attività nella comuna, 17 di più che 10 anni fa. La municipalità bolli continua nella sua via. La più grande parte di Piadia è consacrata all'agricoltura. E parecchi uomini d'agricoltura, parecchie clementine, ma più sopra. Qui si può vedere una piantagione noi di augadi. Qui una ristrutturazione di proprietà, adesso è diventato torna forse clementino o kiwi a fare così. Noi siamo stati appena, mica obbligati, ma di avere una volontà che aveva messo in ballo da su nuovo PLU, di santificare l'aspetto agricolo della nostra Biadia. Da questo comune hanno fatto un'altra scelta. Non ha giusto, mi pare, basta aprire l'occhio. A Tipendu, per il paesolo di l'Isulaccia, si può vedere che parecchi gasi tralasciati sopra essere arrivati. La municipalità è da bolli rinnovare a meria da creare alloggi e una sala comune da rinforzare le asugiali. Appena più lontano, in taglio, un progetto è in onda da creare un quartiere no-no in Corea o Baesi. Di qui, non ti sono terreno, che ti da fa lì, ma di un prolungamento di un paese d'Italia. Di perché sto terreno si chiama Udioso, di un solo terreno comunale, di un comune dove le uzi buerebbe. Faire quoi cosa, construire quoi cosa. On sait que dans certains villages, on fait beaucoup ce qu'on appelle aujourd'hui des lotissements. Ici, c'est pas du tout l'idée, c'est vraiment un vrai prolongement du village. Absolument. L'idée, c'est surtout pas de faire de lotissement, parce qu'on est au cœur du village, on est tout proche d'une église, d'un très beau clocher. L'idée, qui est assez novatrice, c'est peut-être pour ça qu'elle est plus compliquée à mener, c'est de faire une véritable greffe de village. Une nouvelle rue, avec des constructions qui respectent vraiment la charte architecturale du village. On n'est pas très loin de Bastia, c'est au potentiel chez Adoumande, au village vraiment de se réinstaller ici. Si vous le faites, vous trouverez des acheteurs. Alors si vous voulez, on n'est pas parti de rien. On a l'assistance de l'Agence nationale de cohésion des territoires. On a candidaté un appel à projet et on a un consultant qui nous accompagne. Donc le besoin est avéré. Il y a une étude de marché, surtout que ce ne serait pas quelque chose d'énorme. On aurait peut-être une quinzaine de maisons ou d'appartements. Donc on ne vendrait pas des lots. Quelque chose de déjà construit en accession à la propriété. Le besoin y est.
le marché, entre guillemets, existe, avec des gens de la commune ou, je dirais, de la micro-région. Mais notre objectif, il est très clair, c'est de la résidence principale, si possible en accession à la propriété, avec, comme maintenant on a coutume de le faire de plus en plus, des clauses d'encadrement anti-spéculatives extrêmement fortes. Passiba isoli da liu edilisulaccia, si spera dunque da giovani tavanin chi fa scelta di installarsi in paesi da rifiada isolù.